parlé de ma campagne, j'aimerais bien parler moi de celle de Monsieur Maignan qui se révèle au grand jour aujourd'hui. Il vient de publier un journal de son comité de soutien qui est clairement marqué, d'ailleurs il commence même pas par des blancs manillois, qui est clairement marqué par des soutiens bien connus à droite, des personnalités politiques nationales de la droite. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, il reçoit aujourd'hui le soutien de La République En Marche, le parti de M. Macron, président de la République, qui veut que chacun travaille plus longtemps pour avoir des pensions de retraite inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, qui sont déjà pas brillantes. Donc je crois que le voile est tombé sur le caractère éminemment à droite et antisocial de M. Maignan et de ses amis. Un Monsieur Maignan d'ailleurs qui utilise aujourd'hui beaucoup de moyens, y compris à la limite de l'utilisation des moyens municipaux pour faire sa campagne, et on le voit à travers la cérémonie des vœux, on le voit à travers l'utilisation du journal municipal, et on le voit au travers des multiples inaugurations aujourd'hui qui ont lieu en ville, qui sont tout simplement très limites d'un point de vue de la communication électorale. Bien, aujourd'hui, notre campagne, je crois, elle est prometteuse, à l'image d'ailleurs des nombreuses personnes rassemblées sur le marché aujourd'hui. Je crois que nous sommes très nombreux et nombreuses à porter nos couleurs, les couleurs du blanc-ménil en commun. Et nous travaillons de manière très, très offensive à l'avenir de notre ville, un avenir que nous voulons démocratique, un avenir que nous voulons écologique, un avenir que nous voulons féministe, un avenir que nous voulons solidaire, bien évidemment. Et je crois que c'est aujourd'hui notre marque de fabrique, si je puis dire. Et moi, je suis convaincu que ce rassemblement ira à la victoire le 15 mars prochain.